C'est énervant, hein? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser un outil magique, un outil avec lequel on peut absolument tout faire. Je pense que vous le connaissez absolument tous et que j'ai pas besoin de le présenter, que vous fassiez de la photo ou pas. C'est tout simplement Photoshop. À la base, j'avais eu l'idée de faire une vidéo « Je retouche vos photos » en utilisant des photos et des demandes qui avaient été postées sous des tweets de grands youtubeurs, en tout cas de youtubeurs qui ont une beaucoup plus grande communauté. Mais en faisant des recherches et en essayant de trouver des tweets de youtubeurs connus, je me suis aussi dit que ça pourrait être sympa tout simplement de corriger des choses qui ne sont pas satisfaisantes. Je sais pas comment on peut dire, des choses insatisfaisantes tout simplement. Vous savez, ces objets tout triés par couleur alors qu'il y en a un qui a la mauvaise place, ou encore cette plaque d'égout qui n'a pas été remise parfaitement dans l'axe de la bande qui est peinte dessus. C'est toutes ces petites choses qu'on va corriger aujourd'hui. Je vais aussi mixer à quelques demandes qu'avaient fait des personnes sous un tweet de Pierre Cross en 2018. J'ai sélectionné quelques tweets auxquels personne n'a jamais répondu. Eh bien écoutez, je crois que c'est parti. Pas si vite la vidéo. Avant de commencer, je voulais juste vous donner 2-3 précisions. Déjà, j'ai tourné beaucoup de retouches et je trouvais que la vidéo était trop longue. J'ai donc coupé la vidéo, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le concept vous plaît. Bien écoutez, je ferai sûrement un volume 2 que je posterai un petit peu plus tard sur la chaîne avec toutes les parties que j'ai coupées. Deuxième chose que je voulais vous dire, j'ai eu un décalage son-image sur la vidéo pendant le tournage. Donc dans la plupart de la vidéo, vous me verrez tout simplement mon écran et puis vous m'entendrez parler par-dessus. Je préfère vous mettre seulement l'écran et moi qui parle par-dessus parce que l'image est totalement décalée, c'est pas agréable à regarder et ça sert à rien tout simplement. Enfin, dernière chose, si ce n'est pas déjà fait et que la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Vous ne raterez plus rien sur la chaîne. Vous êtes 75% des personnes qui regardent les vidéos à ne pas être abonnés. Alors, si ce n'est pas déjà fait, prenez 10 secondes. Allez vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo et ça vous permettra de ne plus rien rater sur la chaîne. Sur ce, je crois que j'ai tout dit. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Bon visionnage! On a donc la situation que je disais dans l'introduction. Tout simplement, la bouche d'égout n'a pas été remise parfaitement dans l'axe de la flèche. Mais au lieu d'aller tourner la bouche d'égout, on va tout simplement ouvrir tout ça sous Photoshop. Bon, alors, on va tout simplement sélectionner la ligne jaune. Petite sélection rapide. On va prendre la ligne jaune. On va intervertir ça. Et maintenant, il suffit presque que de tourner. Tac, on va la tourner. Tampon de duplication. Tac. Voilà, on va dupliquer cette zone. Regardez-moi ça. On va y voir que du feu. Bon, peut-être pas. Dernière chose, on va fusionner les deux calques. Et on va passer un petit coup de correcteur localisé pour pas qu'on voit la différence ici. Eh ben écoutez, pour une première, je trouve que c'est pas trop mal. On est arrivé à remettre cette flèche dans le droit chemin. Et je pense que les gens qui passent tous les jours devant maintenant se sentiront beaucoup mieux. Écoutez, je crois qu'il est temps de passer à la retouche suivante. Alors cette fois, on passe sur un tweet qui avait donc été posté en dessous d'un tweet du 9 octobre 2018 de Pierre Cross. J'aimerais améliorer mes skills sur Photoshop. Pourriez-vous donc m'envoyer une de vos photos en me demandant ce que vous aimeriez améliorer dessus? J'ai fait une petite sélection des photos qui n'avaient jamais reçu de réponse. En tout cas, on va commencer avec Calzone qui voulait que Pierre Cross le mette dans l'espace. Alors, on va voir ce qu'on peut faire pour lui. On va utiliser ce fameux outil de sélection rapide. Tac, 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 tac. Eh bien écoutez, je crois qu'on est pas mal, on a à peu près tout sélectionné. Maintenant, à faire comme tout à l'heure, on va convertir en objet dynamique, pixeliser le calque, intervertir, et pof, voilà, on a sa silhouette. On va donc aller chercher une image de planète. Peut-être... ah non, ça va, on va tomber sur... Qu'est-ce qu'il disait exactement?
Mets-moi dans l'espace. Eh ben écoute, on va pas s'embêter, on va aller chercher une image d'espace. Ou non, on va faire encore mieux. On va le mettre dans l'espace. Photo sympa de l'espace quand même. Voilà, parfait, en plus on voit bien le mot espace. On va prendre ça, tac. On va prendre notre calque qu'on va coller là. Parfait. Puis on va le mettre dans l'espace, tout simplement. Écoutez, je crois qu'on est parfait. Bon, il voulait être dans l'espace, on a fait accouder à l'espace, mais bon, on va pas non plus faire exactement ce qu'il veut. On va lui répondre. Juste une modification. Tu es accoudé à l'espace et non dedans. Mais bon, ça fait pareil. Pof, voilà, parfait. Au moins, ce tweet restera pas sans réponse. Même 2 ans après, il aura eu son petit Photoshop. Eh ben écoutez, je crois qu'il est temps de passer à la retouche suivante. Retouche suivante, on va se pencher sur quelque chose qui me paraît très technique. Qui n'a jamais essayé d'arrondir son prix au centime près à la station d'essence? Il est temps d'aider cette personne, d'avoir 10 gallons pour exactement 40$. Mon plan d'attaque, je pense qu'on va découper une petite barre de l'écran et tout simplement après on va essayer d'aller la dupliquer un peu partout. Même si elles n'ont pas toutes les mêmes formes, on va s'arranger et je pense que ça va passer. On va définir une sélection, comme tout à l'heure. Je pense que ça va le faire. Et donc on va essayer de le transformer en 40€ tout simplement. On va dupliquer cette partie. Tac. On a notre nouveau calque. Et on va le tourner. Hop. Histoire de créer ben, 4. Voilà, on est pixel par pixel, donc ça se voit beaucoup. Je pense que quand on aura dézoomé, ça se verra beaucoup moins. Déjà, est-ce qu'on dirait un 9? Ouais, ça passe à peu près. Dézoomé à fond, ça passe à peu près. On va utiliser notre bon vieux tampon de duplication. Pourquoi ça marche pas? Ça recommence. Non, ah oui, si, je suis pas sur le bon calque. Bon, c'est pas très net, mais ça fera l'affaire. Et là, après, ben, il va tout simplement falloir qu'on transforme 3 fois un 9 en 0. Pour ça, on va recoller une bande d'écran. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, alors une bande d'écran. Voilà, ça s'appellera une bande d'écran pour cette vidéo. Ah, ça va pas du tout. Voilà. Et on va une nouvelle fois utiliser notre bon vieux tampon de duplication. Regardez, parfait. Au premier coup d'œil, je pense que ça saute pas aux yeux que ça a été photoshopé quand même. Même si bon, il suffit d'un deuxième coup d'œil. Cet homme aura eu 10 gallons d'essence tout simplement pour 40$. C'est parfait. En tout cas, si vous êtes là, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Voilà, je voulais faire une vidéo plus posée, un peu moins sérieuse que d'habitude. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les concepts et les types de vidéos que vous voudriez voir sur la chaîne. Surtout, pensez vraiment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à la liker, à me donner votre avis en commentaire, à la partager, etc. Ça aide vraiment beaucoup. Et en tout cas, nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, devant ou derrière la caméra. C'était Nomad, salut !